En RDC, on n'a pas d'industrie musicale, il n'y a rien, les artistes ne sont pas soutenus. Et même pour sortir du pays, on doit payer de l'argent pour autorisation de sortie, tout ça. Pas aidé par le gouvernement. Je pense que déjà entre nous frères aussi, c'est difficile parce que personne ne te pousse parce que tu fais un truc qui n'est pas normal pour les autres. Du coup, tu es rejeté pour qu'il y ait la reconnaissance. Il faut que les gens de l'étranger puissent te valider, un truc comme ça. Et voilà, c'est très très dur pour les artistes, mais ceux qui arrivent à en sortir, ben, je suis fier, on est toujours fier d'eux parce qu'ils arrivent à faire quelque chose. Et voilà, je suis passé par là, moi j'appelle ça l'épreuve du feu. Ben, après, tu t'en sors et t'es un diamant pur, quoi. Oui, il y a Wallonie-Bruxelles, il y a l'Institut français pour la scène underground et c'est fini. Moi, ce que j'ai plus fait, c'est la scène dans la rue, la scène gratuite dans la rue. J'en faisais deux fois par mois. Je pense que ça, c'est le truc le plus dur. Après, le reste, c'est... j'en ai déjà fait. Ça reste un truc où à chaque fois, il y a aussi l'énergie du moment, de ce qu'on donne avec ceux qui sont derrière moi dans le groupe, les accompagnateurs. Et voilà, il y a des trucs qui arrivent sur place. Mais je crois que c'est différent. Mais par rapport au matériel, par rapport au matos, ça, c'est vrai qu'ici en France... on est vraiment bien encadré, il y a des gens qui s'occupent de ça, de nous ramener les batteries, tout ça. C'est un luxe pour quelqu'un comme moi. J'ai pas eu ça tout le temps. Ouais, mais je pense que c'est une bonne terre pour une graine artistique, je pense. Ça pousse bien en France, je pense, c'est vrai. Je vois des gens qui me disent, c'est la première fois que je monte sur scène, c'est la deuxième fois que je monte sur scène, mais ils sont aux Inuits, genre c'est la troisième fois que je joue une grande scène. Pour moi, ça serait chaud, je viendrais pas. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'en France, il y a quand même ce côté où on tire. Je pense que c'est un pays où les gens, ils aiment beaucoup la culture. Ils sont pas bloqués côté culture, ouais, je pense. Brahma, c'est un groupe de rock psychédélique avec Baptiste à la viola roue, moi, Simon à la guitare et Paolo à la batterie.
Donc on fait du, ce qu'on dit, on dit qu'on fait du rock massif et central. Voilà. Quand tu dis massif et central, ça veut dire que vous venez du massif central? Ça veut dire que, ouais, on vient globalement du Massif Central, parce qu'on n'habite pas tous vraiment au même endroit, mais surtout, je dirais que c'est notre ère culturelle et artistique, quoi. On s'inspire, voilà, ben, la Via la Roue, on chante en occitan aussi. Donc, voilà, c'est notre ère culturelle. Premier concert qu'on a fait, du coup, c'était en 2019, vraiment fin 2019. On s'était vu, je pense, 2 semaines à peine, donc on était vraiment en train de chercher le son. Et on nous a proposé de faire un concert, du coup, dans un squat en Savoie qui s'appelle le Transfo. Et à l'époque, on s'appelait pas Brahma, en fait, on s'appelait Fouela, Ouais, c'est ça. un autre mot. Et en fait, juste avant de jouer le concert, on a changé de nom, parce que si ça nous plaisait pas, on en débattait, tout ça. Et donc, du coup, sur l'affiche, il y avait écrit Fouel, en gros, barré. Et en dessous, il y avait écrit Brahma avec une flèche, mais c'est le même groupe. Et donc, du coup, ouais, ça, c'était notre tout premier concert. On stressait vachement et tout ça. Il n'y avait pas grand monde, mais on stressait parce que c'était vraiment la première fois. Mais c'est un bon souvenir. Et le public était là? Pour pas dire, il y avait du monde, il y avait le public bougeait pas. Ah Pour un premier concert. Ouais. Bah, le souvenir, oui, si, enfin, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes. Ouais, bah, les gens étaient plutôt réactifs, quoi. Ouais, ça a bougé quand même pas mal. On était assez surpris d'ailleurs, parce que on n'était pas sûr que ça, qu'il y ait la réponse, enfin, du public, quoi. Bah, ça a marché d'enfer, quoi. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous donnez un concert? Qu'est-ce qui compte le plus? Partager quelque chose, de prendre de l'énergie, d'en renvoyer, comme une. Y a un, genre, nous, on va chercher de l'énergie. Nous, on est un trio, donc on se regarde, on prend de l'énergie, on essaie de la renvoyer aux gens en face, et ensuite, eux, en général, ils dansent, et du coup, ils nous renvoient de l'énergie, et en fait, ça fait un espèce d'effet ping-pong, et ça, c'est un truc qui. Et ça monte petit à petit, et c'est. Il y a ça, il y a une espèce de partage qui est indispensable en fait et qui est difficile avec la période qu'on vit aujourd'hui, mais qui est indispensable en fait. Je pense qu'on fait tous un peu de la musique pour ça, quoi. Là, à mon avis, enfin, le but, c'est quand même de se faire un peu connaître autour des programmateurs qui pourraient être intéressés, en fait. Du coup, je sais qu'il y aura quand même pas mal de programmateurs. C'est ça un peu le but, quoi. C'est d'aller les voir, les rencontrer et savoir s'il est possible d'organiser quelque chose dans les années à venir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite à faire aux Inouïs. Bah non, la même chose. C'est ça, rencontrer de l'entourage artistique en fait. Disons qu'on est venu pour ça, on est venu pour effectivement, enfin on est venu, on a été sélectionné, mais on est là dans l'idée effectivement de rencontrer des programmateurs, des programmatrices. Mais le truc qu'on découvre aussi là avec le stage, c'est qu'on rencontre plein d'autres artistes. Et ça, on n'y avait pas forcément pensé avant, mais en fait c'est hyper enrichissant. Et on a plein de gens qui font de la musique qui est pas dans complètement d'autres styles, avec d'autres univers ou dans d'autres sphères complètement et tout ça. C'est hyper enrichissant. Là, les 2 jours, et c'est vraiment super.
on joue quand même à 15h30. Bon, on n'est pas les seuls, hein, mais c'est-à-dire qu'on fait les balances le matin, on n'a que 30 minutes pour s'installer. Enfin, faut arriver chaud, quoi. C'est pas... S'il fait beau à 15h30, j'imagine que c'est pas évident pour les gens de s'asseoir et de regarder un concert. Donc, c'est à nous, en plus, de les motiver deux fois plus, quoi. Mais ça va le faire, ouais. Ça va le faire. Et la gerbe qui brèche en l'air.